La visite de 4 jours du pape François en Mongolie s'est terminée par l'inauguration d'une église caritative et d'un centre de santé. Un symbole fort pour la communauté catholique locale, l'une des plus petites et des plus récentes du monde. Ce voyage a également été l'occasion de renforcer les liens avec les autorités bouddhistes dans une région où les relations du Saint-Siège avec la Chine et la Russie voisine sont souvent tendues. Non è necessario essere ricchi per fare del bene, anzi, quasi sempre sono le persone comuni a dedicare tempo, conoscenze e cuore per occuparsi degli altri. Tout au long du voyage, le pape François s'est montré prudent. La Mongolie dépend des exportations de son voisin chinois et la moindre critique à l'égard des politiques répressives de Pékin peut avoir des conséquences sur la population locale. Les communautés tibétaines et catholiques sont réprimées en Chine et les déplacements du souverain pontife dans la région sont scrutés de près par Pékin.